Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Vidéo news pour ceux qui ne l'ont pas loupé ou pour ceux qui l'ont loupé, on va aller parler de la dernière toute nouvelle info qui a été sortie, les gars, sur le tout nouveau mode guerre de guild, battle guild. On a eu cette info, les gars, qui a pop hier ou avant-hier à midi. C'est passé très incognito et je voulais en parler parce que. C'était plus ou moins ce que je m'attendais. Alors regardez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ça ensemble. Comme d'habitude les gars, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, toujours très important. Merci à tous ceux les gars qui le font, à tous ceux qui continuent simplement de soutenir au quotidien. Je rappelle qu'encore une fois les gars, je pense au Paroli, donc n'hésitez pas à faire un petit clic dans la description. Et si jamais ça vous intéresse de commander des boissons au lit, sans sucre et bonnes pour la santé, n'hésitez surtout pas les amis. C'est évidemment jamais une boisson qui remplacera l'eau. Privilégiez toujours l'eau dans vos boissons, on est d'accord. Mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir, vous savez que vous pouvez compter sur moi et sur mon code promo BLAST pour avoir 10%. On est parti les gars sur le guild. Alors, ça c'est sorti le 25 à midi. Voici la présentation du combat de guild, un tout nouveau mode de jeu prévu pour fin août. Bon, déjà on savait pas trop. Vous savez, c'était la fameuse mise à jour qu'on nous avait parlé pendant l'anniversaire. Ils avaient dit le mois d'août. On savait pas si c'était début août, fin août. Bon, au final, ça sera fin août. Alors tant mieux, parce que moi je suis en vacances les en août, donc tant mieux que ce soit plutôt fin août. Voilà, bon. Qu'importe, ce qui est sûr, c'est que ça risque de faire un moment de creux jusqu'à août. On verra ce que sera la prochaine célèbre, mais voilà, ça pourrait être assez creux jusqu'à là. Le combat de guild est un nouveau mode de jeu d'un tout nouveau genre. Les guilds ayant un rang de guild argent ou supérieur, au commencement de la guild, peuvent participer. Donc en gros, il faut que vous ayez une guild argent ou plus, sinon vous ne pourrez pas participer aux guerres de guild. Tout simplement, ça c'est un choix de leur part. Donc viser le rang argent, voilà, et monter dans le classement. Ok. Qu'est-ce que le combat de guild? Le combat de guild est un nouveau mode de jeu où vous combattez entre guilds. Ah, putain, ils sont perspicaces. Au cours de la période de l'événement, vous pouvez participer à un combat par jour pour un total de 5 combats. Participez à tous les jours aux horaires décidés au sein de votre guild. Bon. Alors là, il y a déjà des choses à dire. Pas le fait que combat de guild, c'est deux guilds qui s'affrontent. Merci les devs, c'est gentil. Mais pour le coup, qu'on n'a que un combat par jour, ça c'est déjà la première chose. Et que au final, on peut faire que 5 combats sur une saison de guerre de guild. Alors, on sait qu'une saison de guild dure une semaine, donc une saison de guerre de guild risque également de durer une semaine. Bon, à noter en haut du visuel, on a. Quand même les deux SCG Blue de Fukatsu 9. Est-ce qu'on aurait enfin une nouvelle version des SCG Blue de Fukatsu 9 après les 1 an du jeu? Un jour peut-être. Bref, c'est pas là le sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez bien compris qu'en gros, pour être au max de ce que tu peux faire pour ta guild, tu peux louper quand même 2 jours de connexion et quand même réussir à faire tes 5 combats. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que ça t'oblige pas à te connecter 7 jours sur 7, mais 5 jours sur 7. Ce qui est déjà plus envisageable avec le week-end quand même, tu vois, si tu prends ça une dimanche, tu joues... Enfin, moi, je sais que c'est un dimanche, je joue souvent moins à des belles chances. Donc, voilà. Participez tous les jours aux horaires décidés par vote au sein de votre guild. Alors, ça sera à vous de voir avec votre guild, mais en gros, l'objectif, c'est que votre guild va décider d'un créneau horaire pour que tout le monde se mette d'accord et tout le monde puisse jouer dans ce créneau horaire-là. C'est un peu leur manière de pouvoir faire d'une espèce de... pas du PVP en temps réel, mais de pouvoir un peu, donner des petites horaires pour donner le côté un peu plus instantanéité, ce qui est plutôt sympa. Moi, je sais que ce sera sans doute le cas au niveau de la guide, ça sera, on sait pas combien de temps c'est les créneaux, c'est 2h, 3h, 4h, mais qu'importe, si c'est 3 ou 4 heures, ça risque de faire 17h, 20h, ou 17h, 21h, ou 16h, 20h, on verra, mais je pense que c'est les horaires qui correspondent bien. Alors, je sais pas, vous déciderez comme vous voulez, mais moi, c'est les horaires que je stream en plus, donc ça sera sans doute un truc comme ça. Le déroulement du combat se fait en mode auto, comme le tournoi du pouvoir. Donc, le mode de guild qui nous tease depuis 3 ans, qu'on a eu une vidéo en début d'année, qu'on a eu je sais pas combien de trucs sur le mode guild pour, au final sans rien avoir, et au final, tu vas faire un combat par jour, que 5 jours sur 7, et ce combat va être un combat mode auto comme le TDP. Pour ceux qui veulent imager, ça sera ça. Là, tu vas cliquer sur guild, tu vas cliquer sur ton bouton de guild, tu vas cliquer sur ton combat de guild, ça. Bon, tu vas peut-être choisir, tu vas peut-être mettre des potions, des machins, des trucs, des boosts, que sais-je. Hop.
Et t'as fini. Donc, c'est bien ce que je dis. Alors, bon, je pense que la plupart des créateurs de contenu en ont fait trop. En ont trop fait sur ce mode, en mode... Voilà, il y a beaucoup de... Tu sais, qu'il y a des... Ouais, les gars, ça va être le tryhard et tout, mais honnêtement, non. Enfin, bon. Déjà, quand je vois ça, j'ai un peu peur au niveau des récompenses. Après, vous me direz, attention, le TDP, c'est quand même le même mode de jeu, t'as quand même laissé ça se faire. Donc, on verra. En fait, tout ce qui va en décider, c'est des récompenses. Mais laissez-moi être un peu... Profiter d'énormes batailles à 30 contre 30 pour un total de 60 joueurs. Donc, le délire est plutôt sympa, mais pour ceux qui attendaient ça depuis je sais pas combien de temps, ça va être hyper marginal. Ça va être un combat en mode auto, un seul dans la journée. Bon, alors il y a peut-être un délire de positionnement et tout qui peut être sympa, mais en fait, tout dépendra des récompenses. Moi, je vous l'ai dit, et je l'ai dit à ma guilde, hein, et de toute façon, je l'ai dit à tout le monde, et je pense que les gars de ma guilde, en tout cas, sont d'accord, c'est que bah, si les récompenses, c'est 30 gommes et 30 médailles, machin, bon, on jouera, quoi. On le fera, le mode. On le fera, comme ça, on le fera pour avoir le, tu sais, le top 10 000, tu vois, le truc basique pour t'es quasiment le max des récompenses. Voilà, sachant qu'on sait que les gars, les guerres de. Enfin, le TDP, c'est déjà un mode de whale en soi parce que c'est énormément dépendant de tes étoiles pour faire ton score. Donc, ça sera sans doute le cas avec. En fait, c'est tes étoiles de tes persos de ta box qui vont être utilisées. Dans ce cas-là, voilà, y a, si ça qui rentre en compte, si c'est un combat comme le TDP, ça sera, les gars, les étoiles de votre box. Donc, bah, évidemment, les guides avec beaucoup d'étoiles seront évidemment bien avantagés largement. Voilà, parce que si t'es 3 étoiles vs 14 étoiles, je vois pas comment ils vont réussir à équilibrer la chose. Alors c'est possible avec des potions, des trucs et tout. Mais voilà, déjà, bon, vis-à-vis de ça, laissez-moi être assez dubitatif. Mais, c'est pas fini. Pour vous dire que je suis très dubitatif vis-à-vis de ce mode-là. Je vous ai montré quelque chose, les gars, que quelqu'un a trouvé dans la base de données du jeu, il y a de ça, bien 2-3 mois. Mais je n'en ai pas trop parlé, j'en ai parlé en live, mais ça, c'était pas assez gros pour en faire une vidéo. Quand je vois ça, ça fait ting dans mon ça fait ting. Des infos supplémentaires sur le combat Guild versus Guild le 24 mai 2024, juste avant les Fusion Games. C'était le jour d'avant ou même le jour même, je ne me rappelle plus. Alors, regardez bien. Vous avez au mieux un château qui semble, je sais pas, un shop, un marché, avec des pièces. Ok. À droite, vous avez des potions qui ont l'air d'être des potions de boost. Enfin, là, pour vous, c'est là. Potions de boost. Et ici, des personnages avec un chrono-cristal et des médailles d'équipement. Des objets d'entraînement. Maintenant, il faut le juger comment. L'objet d'entraînement rentre et dans le truc qui devient des pièces et les pièces servent à tes boosts. D'accord. Donc moi, ce qui m'intrigue, c'est que c'est quoi le... Pourquoi il y a un CC en bas, là? Pourquoi il y a un cristal en bas? Tu prends des cristaux qui font des pièces qui font des boosts? Ça, c'est effrayant, non? Moi je trouve ça. Moi je trouve ça, là quand je. Attends, vous comprenez ce que je viens de parler? C'est qu'on. Je vais pas tuer le mode, il est même pas sorti. Mais je suis quand même assez dubitatif de me dire que. Tu mets des CC pour avoir des potions. Donc si t'es face à une guilde de whale, qui a full potion, qui se soigne tout le temps, qui va bouger tout le temps, et qui va. Alors, d'ailleurs sur les potions à noter, qu'est-ce qu'on a sur les potions quand même? On a de la vie, on a un mouvement de case et on a un bonus de dégâts. Ça devrait à peu près être comme ça. Alors c'est assez logique. Maintenant, en fait, je pense que ce mode, les gars, va être hyper marginal en soi et qu'on va pas tant en écouter parler. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont quand même oublié quelque chose, les gars, c'est que, ok, c'est des guerres, c'est de la bataille, donc c'est un jeu PVP, mais les gars, les gens, c'est un jeu PVP en temps réel, de base. C'est un jeu PVP en temps réel, alors c'est bien, ils ont rajouté du raid, c'est de la coop qui est quand même du temps réel, voilà. Là, ça sera pas forcément du temps réel. Legends a jamais eu une volonté à créer quelque chose de très énervé avec les guildes. Vraiment pas du tout. C'est pas l'esprit du jeu. Vous attendez à rien. Honnêtement, vous attendez à rien. Après, on aura des chances d'être agréablement surpris. Mais voilà. Ne vous attendez surtout à rien. Parce que quand je vois cette news et je vois ce que je viens de vous dire, c'est difficile d'être. Ah, et puis même le gameplay du TDP, moi je suis désolé. Il y a toujours des gens qui vont me dire ouais, Blast, moi je trouve que le mode TDP il est trop bien. C'est pas pour ça que j'installe DB Legends, quoi. Donc voilà. C'est pas pour ça. Ils utilisent pas le mode pour que t'installes DB Legends. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur le papier, les gars, ça paraît pas. Ça fait pas. Voilà. On verra. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et puis, bah, je vous invite soit à rejoindre des grosses guildes. La mienne, évidemment, non, ce sera pas possible, les gars. C'est que 30 joueurs. Donc, largement qu'elle est remplie. Mais dans l'espace commentaire, sur Twitch, quand je live, etc. Ça peut être le moment parce que bah, tout dépendra des récompenses. C'est vrai que s'il y a 1000 CC, bah, je vous dirais le mode de jeu est nul à chier. Mais bon, moi ça fait les CC, tu vois. On verra ça à sa sortie. Bon,
On va pas. J'aime pas être le mec aigri qui détruit quelque chose avant que ça sorte. Voilà. Peut-être qu'ils vont faire les choses bien. Pour l'instant, bon. Personne sauf là, mais je sais que côté ricain, ils en ont un peu rien à cirer. Donc on se dit à très près de vous, les gars. Je fais de gros bisous. Ciao.